Let's go. Let's go, let's go. Alors, je vais faire un rappel de là où j'en étais hier. Je remets juste la montre. Je reprends le capteur cardiaque. Tac, ça c'est bon. Hop. Alors je fais juste un truc. Hop, ça c'est bon. Ok. Ok, et on va pouvoir y aller. Hop. Ok. Alors. Je fais un recap d'où j'en suis, toujours au même endroit. T'as fait quelques trails ce matin, article ou pas sur Elana? Ça va le faire, ça va le faire. Donc, bilan. Donc la map ressemble à ça pour l'instant. On a fait toute la zone là. On est allé au château noir. On a battu du coup l'hippopotame doré à l'entrée là qui m'a fait péter les plombs. Mesmer. Et donc là. Le château me dit d'aller dans des ruines, les ruines antiques du... je sais plus le nom exact, mais les ruines antiques de je sais plus quoi. Je suis... Et donc, bah, là, sur la carte, ça m'indique cet endroit-là. Ici, ça m'indique aussi cet endroit-là. Je suis retourné là, pareil, j'ai vu une carte qui me disait d'aller aux ruines antiques. Et donc là, hier, avant de couper, j'ai passé au moins une bonne heure, je dirais, à essayer de trouver la putain d'entrée des ruines antiques. J'ai fait tout le long de la falaise, là. J'ai essayé de trouver une entrée pour descendre, impossible. Je suis passé par là, impossible, je sais pas comment. Je sais pas comment descendre là. Donc je suis un petit peu... je suis un petit peu bloqué. C'est vrai qu'il y a la partie droite du château que j'ai pas explorée. En fait, il faudrait que je retourne au château. Il y a un endroit où il y avait un ascenseur, mais je sais plus où était l'ascenseur. Et s'il le faut, c'est peut-être ça qui peut m'aider. Genre, il y a un monde où il y a un ascenseur qui m'emmène là et je peux continuer. Donc je vais y retourner, je vais aller voir. C'est vrai que j'ai un petit peu troll hier. C'est juste que je sais plus où il est l'ascenseur. Ah, c'est vrai que c'était l'entrepôt à semences. L'endroit est lugubre. Enfin, le nom est lugubre. Donc on est parti. Ouais, ça me dit d'aller par là, de toute façon. Putain, en fait, faudrait que j'arrive à creuser ma mémoire. Il y avait un ascenseur, mais je sais plus où. Vas-y, je vais essayer de voir. Elle qui force avec la barbe de je ne sais qui. Ah putain, l'endroit là, faut que je fasse vite, ça va me rendre fou. Comment on trouve les bouts de cartes dans le jeu? Les bouts de cartes, hop. Tu vois, t'as ta map là. Et en gros, quand c'est pas désigné, tu vois, t'as des endroits comme ça, dans l'ombre. Et en gros, faut que t'ailles ici. Tu vois, faut que t'ailles ici aux parties de ta carte où t'as ça. Et c'est ici que tu récupères le bout de carte de la zone. Donc là, tu vois, je sais que là, en allant là, je vais récupérer le bout de carte de cette zone-là. Est-ce qu'il m'en reste d'autres? Bon, là, je pense que la zone est pas encore... enfin, elle est trop haut niveau et tout, donc ça m'indique pas encore l'endroit où je peux découvrir la carte. Mais tu vois, normalement, c'est les petits trucs-là sur la map. Combien de trails sur Mesmer? J'en ai eu 15, je crois. Un truc comme ça. Mesmer, bizarrement, c'est le boss sur lequel j'ai eu le plus de facilité.
Du stuff partout là-bas. Ouais, du coup, je recherche l'ascenseur que j'avais vu. J'ai dit, j'irai plus tard. Et là, je suis en mode regret. Et là, c'est l'endroit où il y a le spammer. Sur la chèvre. Ok. Hop, allez, la première de la journée. Je l'ai battu, elle était one hit, mais j'ai crit. Tu vois, Artic, c'est déjà mieux. Merde, j'avais combien de runes? Bah, attends, je vais les récupérer et après je vais me TP. Bonjour la diche. Bonjour, bonjour. Alors cette nuit, bah une bonne nuit, j'ai bien dormi. Oui, je me suis bien reposé, bien requinqué. Et là, putain, big journée Elden Ring, y a rien qui peut m'être plus heureux là. Attends, c'était là que j'ai sauté? Ouais. Je pense qu'on va commencer par le commencement, je vais retourner en bas. Entrepôt, rez-de-chaussée. Déjà, il y a l'endroit avec... ça se voit, il y a un passage secret. Ça... Faut que je trouve un moyen d'y aller. Il y a aussi le coin, j'ai une clé. Faut pas oublier, j'ai une clé. Elle est plus dans les objets récents. J'ai une clé qui me permet d'ouvrir... Hop. La salle de prière dans la maison de culte située dans le quartier religieux. Donc le quartier religieux, c'est dans le château noir, donc ça faudrait que je trouve aussi. Ah ça, j'y suis toujours pas allé aussi. Mais du coup la salle de prière, faudrait que j'arrive à trouver un accès. Oui. Mais non. Ah mais c'est ça qu'on voyait derrière. Oh non. Oh l'entrée est juste là. Bon bah c'est ça le truc, l'endroit que je voyais. Ah bah en plus talisman dragon de foot plus 3. C'est pas rien. Ok. Bon, il y avait juste ça, je pensais que c'était la suite de mon aventure. Être. Bon bah du coup j'ai fouillé ce que j'avais à fouiller ici. Comment aller à cette partie droite? Pour moi l'ascenseur c'était plutôt, c'était pas là-bas. Oui je l'ai battu Shiza. C'est pour ça que je l'ai battu et il me restait un bon 2 heures après avoir battu Mesmer où j'ai exploré. Aïe. Aïe. Attends, j'ai plus de cardio. Par
parti est là-bas. Ah putain, mais il passe au-dessus en fait. Et là-bas. Là, il y avait un passage, mais je pense pas que ce soit ça. Non, je crois qu'en bas, là, il y avait un... Non, il y avait le cercueil qui m'emmenait ici. Mais du coup, c'est pas ça. C'est pas ça que je dois faire. Bah, je sais pas, tout droit. Je sais pas. Je sais juste qu'il y en avait un et que ça pourrait peut-être me faire avancer. De retour à la souhaite. Merde. Prends ton temps pour venir. Je vais mettre dans son champ de vision, comme ça elle va me lancer des flammes. Bouffonne. J'ai juste une question. Senti. Ouais, en soi, je l'ai déjà trouvé, mais. Juste une question. Est-ce que c'était dans l'entrepôt à semences ou dans la zone de départ? J'ai un doute. Moi, c'était peut-être dans l'entrepôt à semences, non? L'ascenseur. Ah bah, c'est bon. c'est bon. Bon, il était là. Ah, enfin. Let's go. Let's go. Elles sont relou affrontées, je trouve, légères. Wesh. C'est quoi ça? What the fuck? Qu'est-ce que c'est? Cendre de guerre, mur étincelant. Trop bien. Ok, bon, c'est la suite. Donc l'accès était là, en fait, depuis tout ce temps. Par contre, la partie droite du château, là, je sais pas comment y aller encore. On verra peut-être plus tard. Oh, let's go. Troisième passage dérobé trouvé. Hé, me pousse pas, toi! Il est fou, lui, ou quoi? Posez ses sales pattes sur moi, là. Ah, mais c'est eux, ils sont dans les jars. Mais what the fuck? Mais ça me dégoûte.
fuck, c'est quoi ces mobs? Oh non, je vais revenir super loin. Oh non, je crois que ça va être... Là, j'ai marché de fou. Oh. Ils sont horribles à regarder. Bah, ils sont horribles à regarder et à affronter. C'est un tout. Ouais, faut vite que je trouve une cible. Hein. Reste là-bas, petit être. Faire remonter au cas où. Ah, je suis hypé là, je suis vraiment content. T'as retrouvé la suite? Ça me travaillait hein, dans le sommeil, dans mon sommeil là, j'y ai pensé. Et je vais pas me battre, je pense. La pièce que je voyais de là-bas. Ouais. Iris de grâce. Je suis pas obligé de me battre contre eux. Hein. Oh la vache. Putain, heureusement que ça m'a pas grab. Mais c'est quoi ces bêtes là? Ça m'empête. Ok, nickel, on a une save. Est-ce que lorsque tu tues des monstres, tu peux gagner en niveau, ça sert à rien. En gros, quand tu tues les monstres, écoute, ça te donne des runes. C'est la monnaie du jeu, là, en bas à droite. Et c'est avec ces runes que tu peux justement améliorer, enfin monter le niveau. Donc c'est important quand même. Quoi? Ça aurait été embêtant là. Ah, enfin, enfin, enfin. Ok, on peut avancer. Je pense que je peux prendre torrent. Ouais. Ça va aller plus vite. Il y a encore des pierres. Mais ouais, mais ça me fout droit. On est au DLC, il donne full pierre de forge. 1, 2, 3. C'est lui, je voyais quelqu'un qui faisait des incantations au loin. Chef, calme-toi. Arrête. Mais c'est quoi ton problème? Je les déteste. Je pense que c'est le dernier avant un long moment. Ils sont vraiment casse-couilleux. Par contre, le quartier religieux, ça doit être là-bas, hein, mais...
Allez, go. Je vais mettre sous potion, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Oh, j'ai peut-être pris un peu trop tôt quand même. Viens là toi. Capuche de Salza. Et ok, on a son sort puits de feu. Ah voilà, pierre de forge tombe neuf, ça c'est intéressant. Un col move 7, ouais c'est vraiment un coup de cœur, hein. L'arme est trop trop bien. Je kiffe trop. Je l'ai mis en du coup en cendre avec affinité 100 là et c'est trop 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 bien. Sinon tu peux... Mais du coup j'ai que B en dextérité avec ça. Si tu mets je sais plus comment ça s'appelle l'autre truc. Mais tu peux monter jusqu'à S en dextérité. Pour l'affinité de l'arme. Il manque 8000 pour monter de niveau. J'y remédie direct. 8000. C'est bon ça? 7500. Oh putain, il manque 200. Ils ont pas chipoté, on va mettre 400. Dans le doute. Toujours plus de dextérité. Faudrait peut-être que je monte à 30 d'ésotérisme quand même. Je joue saignement maintenant. Waouh. Ah, ruine antique d'euro. Ok. Ah mais du coup rien à voir en fait. Ça m'indiquait pas ça. Ça m'indiquait le château et le château m'indique là. Putain l'idiot, je pensais que ça montrait ça et que le château montrait... Ah ouais, c'est pour ça que j'ai fait une fixette sur ça. Alors pas du tout. Incroyable par contre. C'est fou! La map est pas si grande mais t'as tellement de biomes et d'espaces différents. Oh la zone est folle. C'est là-bas. Sa mère. Oh la vache. Franchement, ils sont giga tanky. Ouais, ils sont tanky, ils font mal. C'est... Oui, oui. Bah là, j'ai à voir ça. Hein. Là, je me suis fait péter la gueule. Ouais, non, les trash mobs, là, faut faire Bellec. Faut prendre son temps, faut prendre ses distances.
En vrai, il y a pas mal de trash mobs ouais, qui me two-shot ou trishot. Ça peut aller très vite. Non, il n'y a rien d'autre ici. Il y a vraiment juste le l'ascenseur. Calcul spirituel. Oh oui, clairement, clairement, ok. C'est clairement un nouveau jeu à part entière. Hein. Pour moi, quand j'entends DLC, c'est bah, contenu additionnel, là, c'est 5, 6 heures max. Là, c'est vraiment la durée de jeu. Je pense qu'elle est limite aussi longue que le jeu classique. Hein. Ça ici. Non mais le chien, je vais le poulet plus loin. J'ai plus rien à voir là-bas. J'ai trouvé la map. Je vais peut-être rush la map. Après, il faudra que je reparte en haut. Bon, eux, je vais garder mes distances. Ça peut aller très vite. Non, je suis mort. Le côte. Putain. Qu'est-ce que c'est grand. Tout ça à fouiller. Je crois que j'étais au-dessus en plus, à la base. Je me suis bloqué. Ok, let's go. Sauvetage miraculeux. Ouais, je les avais déjà vus dans une autre zone, là, les putains d'hippopotames dorés. Sauf que lui, je pense qu'il est pas doré. Avec sa gueule de con, là. Ah ouais, non, c'est relou de fou. Ah, c'est comme le boss. Oh non, 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 allez, allez, je me casse. Je me casse, c'est bon, j'ai pas envie d'avoir affaire à lui. Il me tue, hein. My god, quel enfer ce monstre. Descendre. Oh putain, le frérot, lui, je crois, il veut. Il a trouvé son arène, il est là, il attend quelqu'un pour le défier. Peut-être que je retourne au-dessus. Oh, il y a ça, faire belle que ça glisse là. Mesmer, je dirais, ok. Il était vraiment cool à affronter.
fait, c'était des attaques claires et lisibles, et du coup, esquiver, c'était ok, c'était cool à esquiver, et puis c'était kiffant en vrai. Parce que la P2 est quand même pas facile. Non, mais y'a rien là. Mais elle sert à quoi cette zone, enfin cette partie là? C'est Relana, Mehdi. Relana, cauchemardesque. Non, il y a juste cet endroit avec le sort, hein, mais... Je pense pas qu'on ait ce genre de jump à faire. Meurt de chute, faut qu'on en parle aussi, j'en ai trop. Bon. Au moins je suis reparti en haut, je voulais repartir ici. J'avais 6000 runes donc c'est pas grave. On va fouiller là-bas. La gravité qui m'a tué le plus de fois sur toute ma run Elden Ring. Je pense qu'elle m'ont même... Enfin la gravité m'a plus tué que Malenia. Il y a un monde. Pff, limite faut que je fasse une expédition rush de cartes. Hein. De lien. Manuel antiquité. Expert en antiquité. Merci Milova pour le prime, bienvenue à toi. D'endroits cachés, construits. Okay, là-bas, il y a la porte. Scorpion, faire gaffe, ça peut aller vite. Oh, choqué du travail, hein, vraiment. Il y a un passage là. Il y a une autre porte. Ah, mais je peux les ouvrir les portes. Il y a trop d'endroits là, il y a trop de recoins. Je vais passer du temps dans ces ruines, je pense. What the fuck? What the fuck? Des escargots en mode serpent. Alors attends, ça... Faut que j'y retourne. Je vais voir déjà de l'autre côté la porte. La porte que je voulais, ok.
depuis quand elles roulent les depuis quand elles roulent les scorpions? Oh la vache. Mais putain. Mais wesh. Attends, mais c'est une dinguerie. Ils vont me rendre fou. Ils vont me rendre fou. Ah mais y'a lui qui s'est mêlé à ça, à la danse aussi. Mais attends, mais c'est... Putain, y'a trop d'endroits, y'a trop d'endroits. Il y a l'endroit avec les scorpions qui roulent. Il y a l'endroit... ouais. En fait, il faudrait que j'explore à fond chaque truc au lieu de repartir, de faire un petit bout, je pense. Déjà, je vais commencer par la partie gauche. Je crois tout doulelou sur Instant Gaming, tu peux le choper moins cher, Elden Ring. Je sais que déjà, le DLC, il était genre à 30 balles au lieu de 40, je crois. Et du coup, le jeu aussi, je pense qu'il y a moyen qu'il soit moins cher. On va pas le réveiller, lui. On va pas le réveiller, le frérot. C'est le relou originel. Dégage. Ouais, mais je pense... Ah. Ok, ça c'est l'entrée. C'est quand tu spawns et que tu vas tout droit. T'as l'entrée là-dedans. Ok, bon, ça me rassure en fait. Tous les endroits mènent ici. Donc ça c'est rassurant. Moi j'ai pas 10 000 routes différentes à prendre. Ok. Maintenant, fouillons. Donc le coin là, c'est bon, on l'a fouillé. C'est avec la porte que je vais faire de l'autre côté. Donc là, rien. Rien. Ok, donc là, je peux descendre. Donc là, il me reste plus que deux endroits à faire. Donc la droite, là, avec les... Wesh. Avec les serpents escargots et eux. Lui, j'ai du fumé en fait. Non, mais il aime trop rouler sans raison, ce fils d'eux! Oh la vache. Le mob me rend fou. Attends. Attends, attends, j'ai dit. Oh la vache, oh la vache. Attends, attends, ils vont me faire péter les plombs. Ils vont me faire péter les plombs. Oh, ils vont me faire péter les plombs. Mais attends, mais viens que je le nique lui. J'ai jamais la range!
god. Oh là 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 là. Oh, l'enfer des scorpions. Ouais, ils m'ont vraiment fait péter un câble. Ok. Bon, moi je vais être tranquille dans cette zone. Quoique, il y a l'espèce d'assassin là qui m'a aggro tout à l'heure. Putain, c'était frustrant. En plus, il roulait, j'esquivais et j'avais jamais la range pour lui mettre un coup. Horrible. Ah, il est là, lui. Bon, lui, il va jamais me lâcher. Je peux pas descendre par là. Je suis à cheval, donc ça devrait aller. Ok, je peux sauter là. Donc je pense que ça, c'est la suite. Je vais aller voir les autres endroits. Oh la vache. Casse-toi. Ok, ça c'est fouillé. Je me casse là. Oh non, 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 non. Je peux avoir une petite save, s'il vous plaît? Une autre sortie. Ah, ben c'est l'endroit du dessous. Comment j'ai fait pour le louper? Je suis trop gaze. Attends, c'est bien l'endroit avec les tortues. Ah non, peut-être pas en fait. Ah non, c'est juste au-dessus. J'ai cru que c'était quelqu'un qui m'attendait. Ok. Oh merde, je l'ai réaggro. Je vais aller là. Il y a qu'un un seul scorpion, de l'autre côté il y en avait deux. C'est un rouleur. Non, je viens pas de là, je viens de juste ici, je crois. Ouais. Je vais déjà finir là, et après je vais aller à l'endroit avec les serpents. Non, j'ai fait le con. Ils peuvent me kill. Ouais. Une save. S'il vous plaît, une save. Je suis en agonie là. Pitié. Pitié. Je cours comme si ma vie en dépendait, là je m'arrête pas, je me retourne pas. Oh non.
Il est pas commode, hein. Je vais prendre mes distances. Toi, je vais te pull up après, t'inquiète pas. Il me faut juste une save et je retourne après là-dedans. Nice. Message de Dane, ok. Bien. On va retourner dedans. Ah, j'ai pas encore la bénédiction, je pensais. Message laissé par Dane Mortefeuille et adressé à ceux qui, comme lui, marchent dans le pas de Michaela. Dans les pas de Michaela. Nous avons trouvé l'arbre du sceau. Mais pour le brûler, il nous faudra un combustible bien précis, celui du seigneur Mesmer, rien de moins. Donc ça, c'est bon. J'ai déjà le combustible de Mesmer. Lui, il est vraiment menaçant à se déplacer comme ça dans le lac, hein. Je sais pas comment on y va ici. Je pense que ce sera peut-être par là-bas. Ouais, depuis là-bas. Ok, je vais peut-être l'affronter. Je vais voir un peu ce qu'il a dans le ventre et je vais retourner un peu dans les ruines, là. Faut que je fouille. C'est quand c'est tout seul. Bon, le saignement sur les Armure Boy, ça marche pas trop. Non, encore heureux, c'est le 9. Il en a dans le bide, ouais. Ah ouais, j'ai mis mes gants de frappe. Vas-y, je vais y aller à coup de poing. Je vais voir. Allez, viens à toi. C'est rien du tout l'attaque. Wesh! Mes deux dernières cartouches. Oh non, j'ai pas roulé. Ah, oh, bah il m'a mis une petite gauche. Putain. J'attendais un coup de marteau, il m'a mis un petit coup de poing. Avec le manche. Bah c'était suffisant pour me sonner. Ok. Ça
ça dégage, je vais remettre lui. Ah, c'est vrai que j'ai le katana de main aussi que je voulais un peu plus tester, enfin que je voulais monter, que j'ai récupéré hier. Ils sont chauds, hein. Ah, trop tôt. Pourquoi j'ai pas réussi à lui break la posture avec le poing? Pourtant j'ai enchaîné des coups puissants. Ah, j'ai déjà coulé trop tôt sur le dernier. Bien vu, bien vu. Oh la vache! Marteau de Dévonia. Au marteau du creuset. Bah putain! C'est pas n'importe qui cela, hein. Ils sont vraiment chauds. Moi je peux retourner dedans. Ah ok, bah, je pense que c'est relié à l'endroit clé. Les serpents escargots. Ah oui, ok. Oh, il y avait juste ça ici, ok. Talisman plume raffinée du creuset. Non, petit flop. De toute façon, il n'y a pas de stuff. Ok. C'est quoi le talisman juste? Améliore le pas en arrière mais augmente les dégâts subis. Pas trop compris. Le pas en arrière, c'est quoi? C'est l'esquive arrière? Mais sans rouler là? Ouais, je pense que c'est ça. C'est quand t'appuies sur B sans mettre de direction, donc juste tu fais un pas en arrière. Ok, je vais me remettre bien. Et on va continuer. Test pour voir. Vas-y, je vais tester. Alors, ça c'est le pas arrière classique. Et là, le pas arrière amélioré. J'ai l'impression que ça va un tout petit peu plus vite, mais peut-être que je me trompe. J'ai l'impression que ça va légèrement plus vite, mais c'est léger. Oh putain, non, il y a encore un boucle de feu. Vraiment ma pire en 6 heures. Ah! Ça one shot, faut faire vraiment gaffe.
J'en ai fait les frais plus de 3 fois, je pense. Ouais, 3-4 fois. Non. Ouais, j'allais dire, il y a un monde où je peux sauter. Je pense pas. Faire le fier, me regarder droit dans les yeux, penser qu'il allait pas mourir. Attends, ça sert à quoi cet endroit s'il y a rien? Y a un truc au-dessus, non? Ouais, y a juste les hiboux à récupérer, c'est peut-être pour des crafts. Oh, hello! Je ne fais que passer, mon ami. Oh non. Y'a pas de passage? Si. Non. Y'a une tour là-bas aussi. Ça pète derrière. Non mais what the fuck, mais what the fuck. Oh, ça va si loin ces attaques, c'est effrayant. Je peux accéder là-bas? Parce que j'ai quand même bien envie d'affronter le mec au milieu du lac là, qui se prend pas pour de la merde. Non, ce sera au-dessus, je pense. C'est quoi ces ricochets là? Lui. Bon, il y a des mecs du creuset, maintenant j'ai affronté, je sais ce que ça vaut. Je vais pas me refrotter à un autre de sitôt. Hello! Oh, c'est bon. Oh, c'est pas bon du tout! Wesh! Prends ça et taille-toi. Le retour des crevettes, putain. Elle est de retour, elle veut me le montrer, hein. C'est trop des mobs de merde. Putréfaction, merde. Ah ouais.
Je sais pas comment je fais là. Save. Non, j'ai plus de boulettes. Attends, je peux peut-être en craft, ouais. Plume d'oiseau divin. Je suis au-dessus du petit endroit là. C'est tellement vaste. Je viens de trouver un boss encore plus détestable que l'hippo. Ce DLC m'énerve plus qu'autre chose. Bah, hâte de le croiser, Shiza. La pierre qui est reliée à lui. Et ça va me permettre d'aller là en haut. Je pense pas que ce soit là. De l'autre côté. On va éviter de l'aggro. Il a un bête de flow par contre avec sa tenue. Je pense que c'est au même niveau, mais de l'autre côté. Des passages, des ascenseurs partout. Ah mais je suis à côté en fait du... Ok, je suis là sur la map. Il y a un monde où je peux descendre dans les ruines là. Je peux descendre de là. Je sais pas si j'ai envie d'y aller tout de suite. J'ai trop de trucs à voir et à fouiller ici encore. Ah, je vais descendre. Je vais descendre. Je pense que j'aurais peut-être pas eu besoin. Ah mais je suis de retour dans cette salle, ok. Ok, ça m'a fait tourner en rond.
je descende à la mano. Attends. Ah bah. Oh putain la vache. Oh non, le baltrou. C'est celui du dessus qu'il fallait que je pète. J'aurais dû descendre la monture. Ah ouais, non, j'ai fait le baltrou. C'était en haut, en fait, l'endroit que je devais détruire. Et ça m'ouvrait le chemin en bas. Ouais, je me suis totalement perdu, en fait. Faudrait la carte aussi, je vais aller la chercher. Ce sera mieux, je pense, pour fouiller et pour me repérer. Ok, mais il faut que j'accède au-dessus. Donc je vais retourner à l'endroit de base. Je vais péter la pierre. Comme ça, ça va m'activer le courant d'air pour partir en haut. Et je pense que je pourrais aller sur l'autre île. Et depuis l'autre île, je pourrais peut-être trouver la map. Je suis ici. Donc depuis ici, je vais faire le grand tour. Attends, Shiza, tu parles de quel boss qui fait full invoke qui est horrible là? Ouais, tu peux pas esquiver, hein. Ah. Ok, ok, ok. Oh putain, ils me rendent fou ceux-là. Je suis obligé de les tuer, mais je peux pas les approcher, en fait. Tu avances le cheval? J'ai l'assassin aux trousses. Je vais y aller à pied, je vais esquiver ces filets. Et je vais le fumer.
coup, je suis curieux, j'ai envie d'avancer. Il voulait pas me laisser, hein. Merde, il y en a plein d'autres. Cette salle, je pense que c'est impossible. Ils sont trop nombreux, faut les faire un par un, mais c'est, ça va être spam land, c'est même pas possible, je pense. Ah putain, j'ai peur. Ok. Il y a des boss depuis l'inquisiteur qui invoquent les morts. Non. Je crois pas, Task. Voilà, du coup ça avance bien, mais il y en a pas encore eu. Il y a des mobs à ne pas aborder sur une monture et eux en font partie. T'es sur une monture, en vrai t'es mort. Tu peux pas esquiver, t'as beau courir. Ils sont vraiment forts. Putain, mais il y a des trucs là-bas. Rien. Ok. Bizarre, bon. Oh, t'es un boss ici. Actuel maison en avant. Ah, merci. Yo Force pour le DLC, est-ce que tu pourrais me dire par où tu es passé dans l'entrepôt au niveau du château noir? Je trouve pas comment monter après l'étage 6. Attends, dans l'entrepôt... Ouais, ça c'est une galère pour monter. Attends, comment j'ai fait? Je crois qu'en gros, faut que tu montes. À un moment, t'as un levier à activer. Et tu sais, quand t'actives le levier, ça va lever toutes les... comment? Bah, toutes les structures là. Et tu vas pouvoir monter sur l'une d'entre elles pour accéder tout en haut. Je crois que c'est ça, juste faut que tu te balades un peu, tu fouilles. Tu essaies toujours de monter, t'as des endroits avec un escalier qui est un peu caché. Tu montes, tu butes les bonhommes rouges et les petits gars. Et à un endroit, tu vas trouver un levier qui va te monter d'un cran. Faut juste essayer de fouiller un peu partout. Ok, donc là, il y a un boss... Mais j'ai pas envie de le faire tout de suite. Je vais le faire, mais juste après. Ah bah en plus c'est la suite de l'histoire, faut vraiment que je le bute lui. Ok. Donc, maintenant qu'on est revenu ici, il faut qu'on pète ça.
Et ça me permet d'aller en face, d'aller dans la tour, d'aller du coup là-bas. Putain, j'ai perdu tellement de temps, j'y étais, mais j'ai cru que c'était celui à activer justement. Maintenant, est-ce que je peux descendre de là? Je meurs pas là. Bah ouais, il a loupé le rebord. Enfin, j'ai loupé le rebord, c'est moi. Oh non. Ils vont être de retour. Ouais, je suis manette. Je crois que la vie souris, il y en a quelques-uns qui le font, mais... Ça doit pas être facile. Let's go, easy. Et des fois, faut juste que je pense à poser Torrent et y aller à pied. Parce que Torrent, il est bien mignon, mais il est pas très maniable. Fatigué là. Puis tu me demandes où je peux aller? C'est pour m'emmener là? Nickel. Merci Mister Foggy pour les 40 bits, merci. Pendentif bariolé, plus 2. Augmente énormément la robustesse, l'immunité et la focalisation. En bas de cette tour. Je pense qu'il y a un pont à construire. Quand tu vois ça. Est-ce que je peux aller là-bas? Oh! Oh, ça m'a permis de contourner la salle avec tous les... Ok. Je
ça fait peur de fou. J'ai cru qu'il y avait un point invoqué, mais je me suis dit, le sol est brisé de partout, c'est pas possible, je pense. Trop bien. Examinez l'hôtel. Brandir l'épée à fourreau de pierre dans la lumière. Oh, dinguerie. Dinguerie, c'est l'arme que j'ai récupérée. Oh là là. C'est elle. C'est l'épée que j'ai trouvée justement. Je trouvais ça bizarre. En gros, hier, je suis allé dans la zone là. Donc dans cette zone, les ruines, j'ai réussi à craft du coup le pot pour brûler, enfin pour activer l'espèce de grosse bête enflammée qui bloquait l'entrée. J'ai craft le pot, je l'ai lancé dessus, ça a activé la bête, j'ai pu rentrer dedans et j'ai récupéré une épée justement. Donc cette épée. Cette épée en question. Et c'est vrai que tout ce que t'as à faire pour une épée en fourreau qui était gaze sur le papier, ce qu'ils disent, épée impossible à extraire de son fourreau de pierre craquelée. Si l'épée est elle-même inutilisable, la masse pesante du fourreau en fait un gourdin aussi primitif qu'efficace. Je trouvais l'arme quand même gaze pour tout ce que t'as à faire. Et donc là en fait, après il faut aller ici, tu l'actives. Trop trop bien. Je pense qu'on va avoir une arme pétée en vrai. Épée de lumière. Épée de lumière extraite de son fourreau de pierre à un hôtel. Depuis sa garde, s'élance des rayons lumineux qui se reflètent mutuellement et donnent corps à l'arme argentée. Compétence unique, lumière. Vous faites jaillir la lumière qui recèle de l'arme, de la lame de votre lame, de la lame, pardon, de votre arme, en la brandissant, ce qui crée des rayons lumineux qui balayent les alentours. Augmente aussi temporairement les attaques sacrées. Elle a l'air forte, ouais. Bah après, bon, c'est pour un build sacré, du coup. Enfin, foi. Elle est où? Elle doit être en haut, dans les épées. Mais j'ai tout ce qu'il faut, en fait. Wesh. Ouais, elle scale force, j'ai vu. Et donc là, l'épée a augmenté mes dégâts sacrés. C'est ambiance boîte de nuit un peu, j'ai l'impression. Je vais faire un test sur eux. J'ai pas du tout ce qu'il faut, je suis en dextérité moi. Puis elle est plus sain aussi, accessoirement. Flop l'épée, non, c'est parce qu'elle est niveau 1. Elle est niveau 1, je l'ai pas du tout monté. C'est bizarre de faire toute la zone sans la carte. Après, la carte est là en soi et je peux pas y aller, quoi. Bon, donc là-bas, j'ai un boss qui m'attend. Je vais peut-être aller là déjà. Ah, c'est pas le même registre là, Edgy. C'est sûr. Ah mais ça c'est le truc que j'ai fait. Okay, et si par tout hasard je veux activer la map. Ouais. Putain. Non, j'ai pas encore testé l'épée. La you. Je suis pas encore allé l'améliorer. Mais il faut que je fasse.
Oh putain, mais j'ai failli faire la même erreur. Faut que je monte et que je tourne à droite. Je peux peut-être monter par là direct. Hein, c'est au-dessus, il y a un pont. Ok, donc je vais monter, je vais aller à droite. Là, droite, droite. Je vais m'éloigner du mec avec son pot. Je sois sur cette plateforme là. What the fuck? Donc par là? C'est là qu'il y aurait le pont? Je l'ai loupé? Non, je pense pas. Mais non, il y a encore une zone en fait. Ah bah c'est là qu'il y a ça que je voulais faire. Oh sa mère, la mort était proche. Je vais prendre de torrent, ça. C'est des sauts précis, mais au moins torrent, je peux faire un double saut pour réajuster. C'est un troller torrent. Hop. Alors. On va faire son tour. Voilà, on va prendre son temps. En fait, je peux pas aller plus bas. C'est la mort qui m'attend en bas. Et je peux faire le tour. Ah, c'est sûrement comme ça, je pense.
Nice. Talisman de tous les creusets. Octroie les effets de tous les talismans du creuset. Quoi? Réduit les dégâts subis en cas de coup critique à la tête, augmente l'efficacité des roulades et des pas en arrière, mais augmente également les dégâts subis. Ok. J'ai rien d'autre là, enfin si, y a tic et tac, mais on va les laisser tranquilles. Ils sont en train de vénérer justement le château là. Ah attends. Ah d'accord, y a rien d'autre. Ainsi, il y a l'ascenseur en soi. Ok. Nice. Je suis là où je voulais aller, je crois. On va enfin pouvoir récupérer la map. Tout droit. Ah ouais, mais il y a le mec. Il y a l'archer fou. Calcul spirituel. Ah, mais ça débloque tout. Je vais pouvoir aller en bas, je vais pouvoir aller dans le lac. Où il y a le mec qui m'attend là. Yo 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 yo. Arrive toi. Sa mère. T'en bouge pas, bonhomme. Malgré leur grande taille, ils sont tellement fragiles, ils meurent vite. De fou. Je pense quoi la difficulté? J'aime bien. Ça m'a fait vriller sur la plupart des boss, mais c'est bien. Au moins c'est challengeant de fou. Ah, y a un boss? J'ai vu que tu peux faire une invocation. Il y a le mec en mode lion. Je vais devoir battre le boss de toute façon. Si je veux la carte, il faut que je le batte.
Attends, je vais pas rentrer tout de suite dans l'antre. Bah attends, en fait, non, je peux faire le tour. Ah, je suis pas obligé de l'affronter tout de suite. Ah non, mais en fait, c'est pas là, c'est en bas la carte. Ah, je suis parano. Mets un point sur la carte. C'est là-bas. Et c'est bizarre que ça me déclenche cette carte-là. Je pense qu'il y a un endroit où il y a une map et je l'ai loupée, non? En fait, je m'amuse plus. Oh non, Shiza. Shiza Gartic. Les deux qui m'ont motivé à jouer à ce jeu, là, ils sont sur le déclin. J'ai dû aller sur YouTube pour trouver la carte. Ouais, je pense qu'en fait, la carte est pas là. Enfin, ça, c'est la carte d'un autre endroit. J'avoue, je sais pas du tout, du coup. Ouais, c'est... Oui, c'est ce que je me dis. La carte de cette zone est pas là. Alors, je sais pas où elle est. Dans la logique, pour moi, c'est dès le début de la zone que tu la trouves. Sinon, c'est bête. Pourquoi il y a du sang partout? Je pense que c'est des gens qui sont tombés. Ah merde, mais depuis tout à l'heure, je me trompe. Je vais mettre la lampe. Disque vert de gris. Augmente la défense proportionnellement à la charge d'équipement. Ok, ça c'est pour les gros tanks, tu fais un mec bien lourd. Et du coup il tank de fou. Bon, lui là qui m'intriguait depuis le début, qui est au milieu du lac en mode world boss. On va voir ce que t'as dans le bide, mon ami. Il est vif, il est vif. Il est vif, mais il a pas beaucoup de PV. Et heureusement, parce qu'il était chaud. Il a 5 HP. Il avait vraiment 5 HP, frérot. On est là par contre. C'est bizarre, souvent ils font pas de zone où t'es bloqué comme ça. T'es obligé de te TP pour revenir. Apparemment là je pense que c'est le cas.
Je vais retourner là, je vais essayer de trouver la carte quand même parce que ça m'embête. Pour moi, la carte est genre là, par là, dans la zone de départ. Ça a aucun sens en fait de mettre la carte plus tard. Souvent t'es dans une nouvelle zone, t'avances un petit peu et là tu trouves la carte. J'en ai fait 15-16 tics. C'est pas dans les souterrains non plus, je pense. C'est quand même voyant normalement. C'est près d'une route souvent. Je vais revoir là-bas, mais ça me semble pas logique que ce soit. C'est un arbre. Là, il y a l'ascenseur. Yo, Zep. Qu'est-ce que t'as fait durant? Bah, j'ai dormi. En gros, je dors quand même, hein, j'enchaîne pas 48 heures. Non-stop sur le jeu, mais enfin du coup j'ai juste dormi en live, mais là je suis bien reposé. Justement là je suis paré pour toute la journée. Ah, c'est chiant. Là j'ai pas la carte. Bon, soit qu'on continue, go continue ça. Hein. J'ai trouvé le boss, j'ai tout trouvé, mais c'est juste même pour plus tard. Enfin ça rend pas bien quoi la carte. Avec l'élément à débloquer en haut à gauche. C'est pas la route à suivre, ça. Ça peut pas être ici, la map. Ah, peut-être un passage que j'ai pas checké là. Cherche quelle carte? La carte de la zone là. J'étais persuadé qu'elle est à droite, mais c'est pas ça.
c'est pas là, c'est peut-être là. Tu fais juste le début dans le vide. Et derrière, là où il y a la marque de Michaela, il y a une carte? Je sais pas. C'est pas sur le pont à tout hasard? Oh sa mère. C'est trop une singerie ce mob. C'est pas là. En soi, ça aurait pu être sur un chemin comme ça. C'est le seul endroit où il y a vraiment une route. La carte, ça peut être que le truc en bas. Bah ça, c'est ce que je me disais aussi, mais au final, je pense que c'est pas pour cette zone. Parce qu'en vrai, c'est vrai que ça m'a pas choqué, mais c'est bizarre de faire une zone complète comme ça à l'aveuglette. Oh, cendre de guerre tourbillon de mortefeuille. Ah, peut-être une cendre plus intéressante que le vieux coup de poing, là. J'avoue que la cendre est gaze. Lui, il est déterminé, hein, mais ça va jusqu'à où son attaque? Il est à l'autre bout de la map! Je suis choqué. Laisse tomber la carte, t'as fait péter les plombs à plein de serveurs. Ouais, je comprends mieux pourquoi. Centre de guerre. Alors, attendez, les petits coups de poing. C'est vraiment l'item, je lui ai laissé 50 chances. Après, bon, c'est des... Il me faut plus de force. En gros, faudrait que je retire l'ésotérisme et que je monte force et dextérité pour les gants. Pour optimiser le truc. C'est même B en intelligence, carrément. Bon, en fait, j'ai pas du tout les bonnes stats dessus. C'est pour ça que c'est pas non plus fou. Oh là 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 là. Ok, j'avoue que ça, c'est stylé. J'ai déjà trouvé la salle du boss, mais je vais pas faire le boss là tout de suite, je vais déjà faire l'espèce de lion qu'on a vu à côté. Je vais faire une tentative avec les points. Aussi, ce que je vais faire tout de suite, pour pas regretter, c'est que je vais consommer les runes que j'ai. 80 millions, c'est une dinguerie. Il me faut combien pour un niveau? 184 000, donc il manque 42 200. 42 200. Ok.
Tac. Je monte mon niveau comme ça, sans... comment ? Je m'en fiche si je meurs. J'ai dit que je montrerais peut-être un peu l'ésotérisme. Là, mon stuff, mon build, il va dans tous les sens, là. C'est vraiment feu d'artifice, faut que j'aille voir Reynal, un de ces quatre. Oh. Ok. Je crois qu'il a abattu le mob derrière. Enfin, il y a le bruit en tout cas. Ok, est-ce qu'il y a une effigie de Marika là pour respawn? Oh ce bâtard! Oh putain, un peu plus et je suis tombé dans le vide. Hein. What the fuck? Oh non, pas eux! Faut que je me casse ça. Je suis mort. Ils ont dispawn les autres? Ah non, ils sont toujours là. Oh, c'est chiant ça. C'est clairement le lion en pire, hein. Quel enfer, quel enfer! Oh la vache! Non, pas de spoil, Issa. Pas de spoil, pas de spoil. Ouais, je vais ranger les gants. J'ai pas le build de requis de toute façon. Depuis quand un boss majeur qui drop carrément un souvenir peut être une... Ouais, j'avoue que ça par contre c'est nimp. Puis là c'est la version de lui mais toxique. Il y a la malmort en plus, laisse tomber. Laisse-moi rentrer dans l'arène déjà, non? Bon, je suis à deux morts, j'ai oublié de mettre le compteur. Astel dans le jeu. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a Astel aussi. Il y a eu sa version toxique.
Ouais, c'est vrai qu'il fait ça après. Il est vraiment hardcore. Hein. En fait, ce qui m'en fout, c'est qu'ils ont mis un boss aussi fort dans la zone là. Le frérot, c'est, il y a même pas vraiment de salle de boss. Tu peux venir en monture, à l'aise. Trop de temps roulé. J'ai pas suivi sur Fulion. Il est à un autre endroit et plus fort. Ils l'ont remis, ouais. J'espère que disait comme quoi le DLC c'était vraiment trop dur pour les non-invocateurs. Ah bah c'est sûr que c'est compliqué. Après, compliqué mais faisable. Enfin. Bon, je dis ça, j'ai pas, je suis même pas à la moitié, je crois, au niveau des boss majeurs de tuer. Mais pour l'instant, ceux que j'ai affrontés, ils sont relous. C'est plus dur que le jeu de base, mais c'est faisable. Après, voilà, je sais pas ce qu'il y a après. S'il le faut, je vais changer d'avis. Mais lui, par exemple, j'avoue que j'ai bien envie d'invoquer. Mort de con. Non, je pense qu'il faut que j'ai snob les caméléons de merde. Bah, tu m'as un peu saucé quand même, fille. Tu m'as un peu saucé. Bah, après, je sais pas, j'ai pas encore vu les autres POV, donc faudrait que je regarde. Mais bon, comme j'ai dit. Ça dépend des personnes, il y a des boss où je peux peut-être gérer et d'autres où des gens vont tuer en 2-3 coups, je vais prendre plus de temps. Ça dépend.
attends, mais... Il est fou, lui. Ça, faut que je tourne autour de lui en le tapant, c'est des free hits. Quand il tourne comme ça. Faut que je tourne autour et que je tape et je tourne et je tape et je tourne. Infernal, se battre contre lui dans la nuit, il est toujours plus. Voilà, c'est déjà mieux là. Putain. C'est ça, ça t'a fait péter les plans à ce point? Je pense que je refais une tentative et après je vais faire une petite pause vite fait parce que l'air de rien ça fait un... Oh non, ça fait que 2h30. Je vais faire une petite pause, j'ai soufflé. Ouais, petite pause café. J'ai tout ce qu'il me faut. Go. C'est chaud de le taper quand il fait ça. Et là, combat. Une autre dimension parce qu'il y a les autres chiens qui sont sur moi, mais j'ai pas le choix.
Faut que je mets l'âme des crapauds absolument. Il est en mode glace, c'est mon Némésis. C'est trop dur la glace. Pas de dégâts les frérots là. Je vais péter les coups maintenant. Il est trop dur, la vie était minime, il y avait plus de vie. Ah, j'allais l'attaquer, il a fait un dash en arrière le chien. J'ai trop grid, j'ai voulu le terminer vite. Oh, quel... Putain, c'est trop, il est horrible ce combat, il est horrible. Avec les crapauds de merde qui suivent tout le fight, qui crachent la malmort, c'est obligé de courir. C'est horrible. Putain, j'aurais dû faire full roulette sur lui, bah oui. Putain, c'est pour m'abattre cette tentative là, c'est vraiment pour m'abattre là. J'ai même pas Issa, hein. J'ai essayé une fois de tuer les petits mobs de merde, mais le truc c'est que quand ils repassent en mode malmort, bah il leur fait revenir. Le temps de les tuer, je les one-shot pas, genre je suis obligé de leur mettre 3-4 coups de couteau. Lui, le lion, il peut me dash dessus de loin, il peut me... Enfin, en vrai c'est horrible. C'est trop compliqué je pense de les tuer. En esquivant la malmort et en esquivant l'autre frérot qui t'attaque en même temps. Oh, je suis dégoûté, putain, là j'aurais pu passer à autre chose là parce qu'il était vraiment chiant lui. Oh, non, ça m'est... Oh, quel enfer. Oh, une tentative, je vais en pause.
début, je me battais avec une seule âme. C'est trop de potions déjà pire. Ouais c'est dead. Je me suis fait péter la gueule, il passe P2 3 quarts life. Les crapauds de putain de merde, ils se déplacent trop vite, ils se déplacent trop vite, ils sont tout le temps en contact, ils courent ces fils de pute. Ah, il est horrible le boss. Ils prennent un boss, ils remettent le même boss, mais ils rajoutent la malmort parce que pourquoi pas. Et en plus de ça, ils invoquent des putains de caméléons qui courent aussi vite que toi et qui te collent tout le fight et qui te mettent la malmort. Puis encore plus fort qu'avant. Il est plus fort qu'avant parce que à la fin, là tout à l'heure, il a pété les plombs, il a eu toutes ses transformations d'un coup, là, il mettait tout. Bon allez, je vais me faire un petit café. Je reviens le tuer. En vrai, j'ai fait deux tries quand même convaincants. Bon, il y en a un où vraiment il avait 1 mm d'HP. Le deuxième où j'étais presque. Mais on se rapproche. En soi, j'ai que. Bah, j'ai 10 morts. 10 morts sur le boss, donc c'est pas non plus déconnant. Je pense qu'il tombe dans 10 tries là. Bon.